Amis du soir, bonsoir. Nous revoici toujours nous dans cette voilà. dans cette magnifique ville qu'est la Nordberg. Je vais virer tout de suite le GPS. Voilà, pas de triche. Donc, on reprend le même concept, sauf que cette fois-ci, je me laisse orienter par Bibu. Donc, il doit m'emmener à Erfurt. Alors, vas-y, je te suis. Donc, je compte sur toi pour que je sois livré en temps et en heure. D'accord, bah, déjà on va essayer de sortir. Oui, parce que ça pas mal. Ça, c'est le gros bémol dans cette version-là, c'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de pancarte en ville. Il faut sortir d'une ville pour lire les pancartes. Et malheureusement, si on sort pas sur la bonne sortie, si on sort pas du bon côté de la ville, et bah, on peut se rallonger. Et entre temps, t'as pu te rajouter des chevaux. Donc t'as combien? 598 comme moi, c'est ça? Ouais. Ok. Et puis le réparer aussi. Parce que tu m'as fait bobo avec ton gros freeze. Ah oui, tiens, j'ai oublié de regarder si ça m'avait fait des bobos ou pas, mais bon, brave. Ah tiens, en fait, je peux arrêter les essuie-glaces, ils flottent plus. Ah, c'est moi qui l'ai, la flotte. Parce que j'ai eu la flotte en off. Oh. Voilà. Bah, j'essaye de trouver pour sortir. Bah, c'est déjà ça. Ouais, si tu pouvais garder ta ligne aussi au lieu de... Ah bah j'y vois plus rien, avec flotte. Avec les lampadaires et tout, faut pas déconner. Ah ouais, bah... Champ de visibilité zéro. Oh là là, il est niope, il est niope. Bah niope, patate. Niope, oui bah t'es niope. Niope, M. Oui bah c'est ce que je dis, niope, N. Non, M-E, myope. Myope. Myopie. Je sais pas, moi j'ai toujours dit myope. Non. Tu dis myope. Ouais, t'as bon. Myopie. Bon, puis le myope avec un M, c'est tout droit ou à gauche? Tout droit. Ah, pour l'instant, j'essaye tout droit. T'essayes tout droit. Comment je vais... Même... Est-ce que je vais livrer la cargaison à temps? Oh là 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 là. Ah. Après faut que je sais plus mais faut sortir par je sais plus. Alors je. Ouh là 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 là. Ouais, je suis en train de. Ça m'aide beaucoup. Je sais plus comment j'avais dit le nom du sur la carte que j'avais regardé. Hein. Ah, Francfort. Mais non, Mainfort, un truc comme ça. Hein. Ah, là où je dois livrer, c'est Erfurt. Erfurt. Je comprends rien du tout. Carte. Parce que là, je vois la carte. Il n'y a pas de... Attends, c'est qu'on est placé là. Ah, ils n'ont pas foutu de pancarte. Non. Ah, ça, sont des enfoirés. Francfort, Mainfort, il faut apparemment, d'où on est placé, il faudra qu'on aille tout droit. On continue tout droit. Ouais, mais là, c'est soit gauche, soit droite. Tu veux qu'on aille comment tout droit? Bah, c'est ça le problème. On va voir lequel de nous deux est le meilleur des routiers. Ah bah je vais aller à gauche. Hein Amstram Gram, piqué comme Gram. Ouais, c'est plutôt pile ou face. Oui. Allez, vas-y, roule. Quand j'ai dit à gauche, bah ça sera à droite, histoire de m'emmerder. Hein? Ah non, bah, c'est klaxon, c'est pas l'accélérateur. Bah, il y a plus de chevaux, mais il roule moins vite. Hein. Cherchez l'erreur, les enfants. Ah, c'est comme on dit déjà, qui aime bien charrie bien, c'est ça? Ah, qui aime bien châtie bien. Ah ouais, aussi. À tes souhaits. N'oublie pas que t'es avide, hein, donc... Ah oui, c'est vrai. Pardon, voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder combien de tonnes que je transportais. Je regarderai ça à l'arrivée.
Oh. En gauche ou droite? Ouais. Ah, continue sur la gauche. Il m'emmène au pif, il est paumé. Il est paumé, il m'emmène au pif. Mais non. Attends, regarde, il va y avoir des pancartes. Bah oui. Alors. Est-ce que tu vas... Si, si, chef. Est-ce qu'il va savoir m'emmener à Airfort? Déjà, il y a un nom de ville sur la pancarte qui te donne la puce à l'oreille, déjà. Pour aller à Airfort. Frankfurt. Bravo. Ah, ok. T'as oublié de mettre ton autocollant A derrière ton camion, là. Abruti. Non, pas ça. Bye. Comme moi j'y vais tranquille. Ouais, j'ai vu ça. Tranquille, tranquillo, en solitaire. Frankfurt, tout droit. Du portail est au milieu, toi. Ok. Le AR machin chose, ça va être sympa. Frankfurt. Oh. Il y avait la pancarte Airfort. C'est bon. Ça, ça doit être parce qu'on doit être arrivé dans les dans un rayon de 150 bornes généralement quand ça affiche quoi, ils mettent des pancartes. Ouais. Ah, ça marche. Ah, pareil. Attends. Putain, j'ai pas vu. Ah, faut que j'aille où? Ah putain, puis avec mes yeux à la con. Vas-y, on a un qui roule à l'envers. Moi? Non mais le mec en face il roule à l'envers, c'est parce qu'il avait loupé la bretelle donc il était en train de rouler à l'envers. On dépêche pas parce que... Airfort. Ah d'accord. Airfort. Airfort. C'est bien allemand ça. Oui, on est en Allemagne, c'est normal hein. Non mais... Oui, c'est vrai qu'au niveau de... Et encore, j'aimerais bien l'entendre avec l'accent allemand, quoi. Ça doit être sympa. Ya, 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 oui. Ya, Airfort. 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 Ah, ça me fait trop penser à... Bon, c'est super vieux, mais c'est la 7ème compagnie. Ah, je pensais à Papa Chous, moi. C'est plus vieux, ça, non? Quoique, attends, parce que la 7ème compagnie, c'était dans les années 70. Ouais. Ah non, moi, je pense plus... Bon, tu me diras, ils ont fait 3 opus, mais je sais plus en quelle année était le premier opus. Ah, je kiffais, moi, tout ce qui était la série Papa Chous. Ah, ça j'ai kiffé. Ouais, mais il y avait pas réellement l'accent, le vrai accent. Oh, mais c'était côté comique hein. Je veux dire, le doublage des voix c'était pas, voilà quoi, c'est... Ah frère. Bah tu me suis au fait, parce que c'est vrai, moi je suis mis, je vois des points rouges au loin, ça doit être certainement tes phares arrière. J'espère que t'as bien regardé si on n'a pas loupé une bretelle ou autre. Hein. Non, rien possible. Parce qu'on cause, mais moi tout à l'heure ça m'est arrivé d'avoir loupé une bretelle. Hein. On s'est un chouïa rallongé à cause de ça, mais... Je peux accélérer ou... Là je suis bloqué à 90, donc ça a l'air d'être bon. D'après le compteur à l'ancienne, il y a tout à l'ancien. Hein. Aussi bien le camion que la carte routière, tout à l'ancienne. Hein. Aïe 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 aïe. Airfurt. Airfurt. Oh la radiation. Voilà, j'ai eu un mini lag, c'est qu'à un moment donné, on va peut-être voir quelqu'un.
personne. J'ai dit peut-être. J'ai pas dit que c'était sûr. Erfur, tu vois, comme j'ai de la distance, je profite, comme moi j'y vois rien. Tout droit, Erfurt. T'es sûr, hein, c'est bien Erfurt, hein, hein, t'es sûr, hein. Ça va, hein. Hein. J'aurais dû mettre mes lunettes, je suis con. Le mec 40 ans plus tard, il s'en rend compte qu'il est con, quoi. Vaut mieux tard que jamais. Tiens, toi, on a croisé quelqu'un. Oula, comment tu zigzag. Oula, c'est votre camion, il a sauté. Oh, il est pas trop compris. Oh là. Là, je m'énerve. Ah ça c'est parce que c'est quand tu peux faire ça ton klaxon. Hein. Bon. En tout cas, moi j'ai vu sur la carte routière qu'il n'y avait que de l'autoroute. Alors, si jamais je m'aperçois qu'on se retrouve sur une route de campagne, je commencerai à grave m'inquiéter, quoi. Ouais. Ah, il y a un camion qui nous rattrape. Toi, avec ton camion asthmatique, là, qui avance pas. Hein. Qui avance pas. Je roule aussi vite qu'un Volvo, hein. C'est limité à 90, hein. Quel que soit le concessionnaire. Hein. Après, ce qui fait la différence, c'est tracté en côte, l'accélération et tout. Les reprises, ouais. Après, peut-être la tenue de route. Tu prends l'exemple du scanner, c'est chaud, hein, la tenue de route. Hein. Ouais, j'ai changé les pneus, je le sens quand même. Hein, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est que tout à l'heure, hein, dès le premier virage, pépère sur le côté. Et hop, jeu, c'était match. Il commence à me rattraper tout doucement, mais sûrement. Pourtant, je suis à fond, je sais pas comment il fait pour... Il m'a doublé. Ah, il y a un deuxième. Je sais pas, on a l'impression qu'ils font 10 km/h de plus que moi. Ah, il ralentit. Ah. Il est fort, tout droit. Et du coup, ça coupe mon élan. Désolé. Hein. En même temps, comme ça, ils ont doublé tranquille. Hein. Ah bah, il m'avait déjà doublé avant que tu... Erfurt. Erfurt. Apparemment ils vont là-bas aussi apparemment. Ah. Alors on va les suivre. On va les suivre. Vas-y, pédale. Bon, ça, je suis moins à la traîne que toi. Attends, j'ai 300 chevaux. Hein. J'ai pas eu le temps de lire. C'était à droite. Non. Si, je te jure. Ah, plus. Arrête-toi et fais de la marche arrière. De toute façon, il y a 2-3 fois. Tu fais ça prudemment, puis moi, je vais t'attendre sur le bas-côté. Putain, c'est lui qui doit m'emmener là-bas, puis c'est moi qui m'aperçois de l'erreur, quoi. Aïe. Ah, puis, alors, dans le noir complet, je vois même pas la bretelle derrière le... Je vois juste les deux pancartes allumées, c'est tout. T'es où? Tu montes? Enfin, t'es en train de faire la marche arrière? Je remonte. Ah oui, d'accord, je crois te voir là-bas. Ah, mais là, je suis à fond en marche arrière. Hein. Ouais, je sais, c'est limité à 12 km/h la marche arrière. Aïe. Regarde bien ta rétro, ce que c'est si les mecs arrivent à 90, 95,
toi t'arrives en arrière, on va tous te mettre. Ils vont te voir t'es au tout dernier moment. Ça va parce que c'est en ligne droite, donc ils te verront de loin. J'ai mis quand même les warnings. Non, je me suis gouré. Je détends. On lui a mis les warnings sans les feux. Ah, essaye de prendre la bretelle sans les phares. T'aurais fait ça en plein virage à 90 à l'heure, il boule. Bah, il donne. Le stress pour les remettre et tout. Je suis garé sur le bas côté à droite, donc. Je sais où là. Alors, lis les pancartes, toi, aller où? Air fort tout droit. Bien. Ah, j'ai vu le panneau, mais trop tard. J'ai levé les. Je suis. Non, pour lui, ça se fait pas, il faut pas tourner, bah si. Ah! Non, puis moi, je lisais rien du tout parce que moi, je te suivais, je te faisais confiance. Et quand tu m'as dit, ah, j'ai pas lu. Alors, c'est là que j'ai levé la tête, j'ai dit, ah, bah, faut tourner à droite. Sinon, tu m'aurais pas dit. Moi, je lis rien. Ouais, je te suis, hein, je te fais confiance. Ma fille, c'est que j'étais en train de suivre les camions comme un gros con, et j'ai pas fait gaffe au panneau. Bah tu vois, ils vont pas air fort. Non. Finalement. Mais j'ai failli être air fortement dans le caca. Ouais, ça aurait pu être rattrapable plus loin, mais ça nous aurait peut-être fait un sacré bon détour quand même. Ah bien, mais je peux pas. D'aucune indication, je peux même pas savoir si il nous reste beaucoup de kilomètres ou pas. Alors. Ah bah comme à l'ancienne. Hein. Bon, sauf que ça ce sera rectifié dans la dans le TLC Scandinavia, parce que t'auras des panneaux avec le nombre de kilomètres à côté. Ah ça c'est bien ça. Par exemple, il va t'indiquer les deux prochaines villes et puis. Ah, Erfurt à droite. Et puis le nombre de kilomètres restants pour chaque ville. Qui aura d'inscrit sur la pancarte quoi. Alors il y a fort. Ah bah de toute façon les améliorations sont extrêmement impressionnantes. Franchement, j'ai. Pourtant je l'ai pas testé très très longtemps. J'ai dû me limiter. Ouais. J'ai dû me limiter à 5 ou 6 missions, mais franchement j'ai pas été déçu du tout. Je sais pas pourquoi je fous le Clio autant. Heureusement qu'il y avait personne. Il m'a fallu la deuxième voie pour le prendre à fond. Et ça c'est dangereux. Il y a eu quelqu'un. Il y a eu collision. Voilà. Bah là, je sais pas si c'est tout droit ou pas. Bah là on y rentre dans Erfurt, ça a pas lu le panneau. Tout droit. Et puis là il y avait écrit en anglais. Il y avait écrit en allemand centre-ville. Enfin, centre-ville, zone industrielle, quoi. Là, on va te arriver à Erfurt. Bon, ouais. Il faut Erfurt. Que je trouve 500 builders. Tu me trouves ça? Alors, là. Ah bah je l'ai trouvé, c'est éclairé à droite là. À droite? Ouais, regarde. Bah tu vois pas la pancarte, c'est tout blanc. C'est écrit sans... Ah ouais, c'est en face. Sans bulle d'or. Attends, si je rentre au moment qu'un mec sort. Et bon. Oh bah c'est du GG. Ah carrément. C'est bien. Tu vois, tu commences à faire tes premières classes là. Bon. Ça c'est fait avec de la classe, comme on dit. Oh, c'est sûr. Oh là là, ça va les baskets. Tout à l'heure avec ses 300 chevaux, il était crincheux, il y a rien. Il était énervé. Ça tue le moral les 300 chevaux. Ah ouais. Ah. L'hôtel, il n'y a rien par là. Déjà. Des fois les villes sont toutes fermées en deux.
fois. Hein. Je sais pas, je l'ai pas encore activé le GPS. J'ai juste les informations. C'était des pas de mal de m'aimer. Sauf pour le créneau, je me suis un peu énervé, mais tout va bien. Et moi je dis GG, merci Bubu pour m'avoir dirigé. Et puis alors je sais pas si le concept te plaît, mais moi je trouve ça sympa. Ah c'est, donc c'est un peu plus de piment quoi. Bah oui, et puis donc ça nous oblige à bien lire les pancartes et tout, et être prudent. Moi, et surtout de ne pas oublier de mettre les lunettes. Exactement. Donc on va couper là et puis couper là, s'arrêter là. Comme ça avant des. Avant au prochain EP, donc tu mettras tes lunettes et on recommencera. Allez, bisous tout le monde. Bisous.